Michel Lascar avec Blaise Bassomboli et Joël Lumbala. La République démocratique du Congo n'est pas touchée à ce jour par l'épidémie de fièvre Ebola apparue il y a 3 mois en Guinée. Mais les autorités de Kinshasa, conscientes du danger, se préparent à toute éventualité. Lors d'une réunion de crise, le ministre de la Santé a appelé au renforcement de la veille sanitaire aux frontières, mais aussi à l'intérieur du pays. Les épidémies d'Ebola surviennent parfois dans plusieurs pays au même moment. Donc nous ne pouvons pas dire que nous sommes à l'abri d'une épidémie qui peut survenir de l'intérieur. Les frontières terrestres sont très difficiles à contrôler, mais les aéroports feront l'objet d'une vigilance sanitaire toute particulière. Le pays n'est pas en épidémie, mais pendant cette phase, il nous est permis d'être vigilants. Donc nous venons pour augmenter les seuils d'alerte, le seuil de vigilance, et à commencer par le point d'entrée qu'est l'aéroport international d'Ndjili. Le virus Ebola a été identifié pour la première fois en 1970 dans l'ex-Zaïre et le pays a connu depuis plusieurs flambées du virus Ebola. Fort de cette expérience, l'Institut national de recherche biomédicale basé à Kinshasa a décidé d'envoyer 4 experts en Guinée, placés sous la supervision de Jean-Jacques Mouyembe, un virologue congolais de renom. Il faut que cette épidémie soit maîtrisée, soit contrôlée par les Africains avant tout. C'est ça que l'OMS est en train de promouvoir cette capacité africaine, nationale et même internationale, dans la lutte contre les épidémies. Du matériel de prévention et de lutte contre l'épidémie, arrivé de l'étranger, a commencé à être stocké pour parer à toute éventualité. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Nous allons parler plutôt de l'impact de ce génocide en République démocratique du Congo. On se souvient de ces flots humains, civils et militaires confondus qui fuyaient vers ce qui était encore à l'époque le Zaïre. C'était donc à la fin du génocide. Massacres, invasions et pillages ont été ces 20 dernières années le lot des populations civiles de l'Est de la RDC. De Béni, une correspondance de John Kanyunyu. Le génocide est commémoré au pays des Mille Collines au moment où les Congolais regrettent l'acte de fraternité qu'avait accompli le régime Mobutu en acceptant de recevoir sur le sol congolais des milliers de réfugiés Hutus ainsi que l'armée de Habyarimana avec tout son arsenal militaire. Cet habitant de Beni nous parle du calvaire que traversent les populations des villages occupés par des miliciens Hutus Interahamwe regroupés entre-temps au sein des FDLR, les forces démocratiques de libération du Rwanda. Ils ont été accueillis en grande pompe dans nos villages. Sans le savoir, nous avons fait entrer des vipères dans nos localités. Maintenant, les populations ont été obligées de vider les villages et de les laisser aux FDLR, qui se sont transformés en bourreaux. En fuyant, les villageois abandonnent maisons et champs pour aller s'abriter dans les camps de déplacés, avec comme conséquence la famine et les maladies. Les guerres à répétition en République démocratique du Congo, consécutives au génocide rwandais, avaient aussi pour objectif la traque de l'ex-armée des Habyarimana, présumée auteur du génocide rwandais. Ces guerres ont détruit des villes comme Kisangani, où les armées ougandaises et rwandaises se sont affrontées. Elles ont aussi et surtout causé la mort des millions de Congolais, comme le rappelle cet habitant d'Oicha. Depuis que le régime de Mobutu a accepté l'entrée des réfugiés rwandais sur son territoire, les rebelles Interahamwe, dit FDLR, sont responsables de nombreuses morts. Aujourd'hui, nous comptons plus de 6 millions de morts comme conséquence du génocide Rwanda. 20 ans après la tragédie rwandaise, le sang des Congolais continue de couler pendant la traque des rebelles Hutus rwandais qui se cachent dans les forêts des territoires de Lubero et Walikale. John Kanyunyu à Beni pour la Deutsche Welle.